Bonjour à toutes, dans cette vidéo je vais vous présenter un nail art aquarelle noir, un peu dans le style dentelle, que j'ai réalisé uniquement sur un fond très clair dégradé. Donc tout d'abord j'ai pris le pinceau rond et je me suis munie de aquarelle noire. Donc désolée, j'ai pas pu filmer sur mes ongles parce que je l'avais fait, mais j'ai tout perdu au moment de mettre sur l'ordinateur, il y a eu un bug donc j'ai dû recommencer sur capsule. Donc ensuite je prends le pinceau fin et je vais dessiner les contours de ma forme. Donc en bas j'ai fait une grosse fleur, puis une petite en haut et un arc de cercle. Ensuite avec le pinceau rond, j'ai dessiné, donc je vais faire mon dégradé, j'ai mis du noir et je vais dégrader. Pour dégrader on fait comme ceci, donc on met une bande, on tire vers le bas, on essuie, on tire vers le bas et donc on essuie. Entre chaque étape il faut nettoyer et essuyer son pinceau. Donc là je fais pareil pour l'intérieur de la fleur. Donc bien sûr avant de faire ce motif sur mes ongles, j'ai fait un dégradé vraiment très très discret, uniquement avec du rose clair, un petit peu de vernis pailleté et du vernis beige pour la French manucure. Je voulais vraiment que uniquement le bout de mon ongle soit légèrement coloré pour donner un petit peu quand même de relief à la fleur, mais le haut de mon ongle est quasiment transparent à la cuticule. Ensuite, quand j'ai fait mon dégradé, je reprends le pinceau de détail. Je fais les étamines au cœur de la fleur, donc des petits traits fins. Pareil pour la petite. Ensuite, j'élargis mon arc de cercle et je vais rajouter une spirale à l'intérieur. Ensuite, avec de l'aquarelle noire un petit peu plus diluée pour que ça écrive moins et pour faire des traits hyper fins, je vais faire un quadrillage de façon à faire comme une résille. Donc je fais le quadrillage dans l'endroit qui me reste, au milieu en fait. Ensuite je reprends le pinceau rond et je vais dessiner deux grosses gouttes. Donc pour ça j'écrase le pinceau, je tire et je relève le pinceau. Ensuite je le nettoie, je l'essuie et tant que c'est pas sec, je vais imbiber l'aquarelle au milieu, ce qui va faire cet effet un petit peu comme ça troué. Et je vais faire la même chose pour les gouttes que j'ai fait au milieu. Donc là j'ai fait en orange, sur mes ongles j'ai fait en blanc pour rester dans les tons discrets. Donc je mets une goutte, j'essuie mon pinceau, je le nettoie, je l'essuie et j'imbibe la peinture qui est au milieu tant que c'est pas sec. Donc ça va faire comme des petites bulles comme ça. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Là vous avez le résultat sur mes ongles que j'ai pas pu vous montrer, donc j'ai rajouté des petits points et des strass. Moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo.